Bonjour Irène. Bonjour Franck. Donc tu es naturopathe Depuis 1957. Donc ça fait 60 ans quasiment que tu pratiques la médecine oui. alternative. La médecine de santé. On appelle ça comme on veut, mais je pense qu'il y a deux médecines. Une médecine de santé, celle d'Hippocrate, et une médecine de maladie. Alors, il y a la médecine totale. Hippocrate disait aux malades que l'aliment soit ton seul médicament et demandait au médecin de guérir sans nuire et d'aller à la cause des causes des causes. Et tu as accompagné des gens qui avaient le sida, des scléroses. Alors, ben, j'ai accompagné depuis plus de 60 ans, j'ai accompagné des gens, évidemment, qui ont toutes les maladies possibles. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une maladie en réalité? C'est bien ce qu'il faut se demander. Quand le corps, étant donné qu'on ne mange plus ce qui est fait pour notre système digestif, depuis que de cueilleur l'homme est passé cueilleur-chasseur, il n'a plus mangé, il n'a plus cueilli, parce que nous avons le même système digestif que les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans, dont les guenons ont leurs règles. Toutes les lunes portent leurs petits 9 lunes. Donc même moteur, même carburant. De quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 kilos de chair? De fruits d'abord, de feuilles et de racines tendres. Et c'est notre nourriture, c'est la nourriture de tous les primates dont nous faisons partie. Alors il est bien évident qu'à partir du moment que pour cueillir, il faut qu'il y ait des fruits. Pour qu'il y ait des fruits, il faut du soleil. Alors on peut imaginer qu'au début des temps, la terre était beaucoup plus ensoleillée. Mais à un moment, il y a eu, paraît-il, l'Atlantide, un continent qui est passé sous les mers. Il y a eu de toute façon la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Et il y a eu des chocs. Et il semblerait que la Terre ait basculé, était beaucoup moins ensoleillée, et qu'il soit resté du soleil toute l'année et des fruits sous les tropiques et l'équateur. Peut-être simplement la migration. Hein, Et quand les gens ont découvert le froid sur les autres endroits, il n'y avait plus des fruits toute l'année et ils ont dû découvrir le feu et cuire, manger ce qu'ils pouvaient trouver. Et comme ils n'avaient pas d'énergie suffisante, puisque les fruits sont l'essence du moteur humain, c'est ce qui nous donne toute l'énergie dont on a besoin, il est certain que s'il n'y a plus de fruits, eh bien, ils ont tué les animaux pour avoir l'énergie que les fruits ne leur apportaient plus. Mais ça a été le départ de la descente aux enfers de l'homme. Si je comprends bien, c'est le frugivorisme et le fait de manger essentiellement cru qui... Mais aucune espèce sur la Terre ne cuit sa soupe, même au pôle Nord. C'est une évidence, oui. Et on n'est pas fait. Et quand on mange, quand on met dans la Terre des aliments, des graines cuites, est-ce qu'elles poussent? Non. Et si on fait couver des œufs cuits durs, est-ce qu'il n'y a pas une poule qui va attendre longtemps ses poussins? Alors, un aliment cuit, c'est un aliment mort. Et avec les aliments cuits, évidemment, on va fatiguer l'organisme, on va l'encrasser parce qu'il ne peut pas éliminer tous les résidus qui ne sont pas faits pour lui. Il va les stocker dans ces liquides dans lesquels baignent les cellules, ces liquides que les anciens appelaient les humeurs, et pour cause. Et là, chaque fois qu'il va disposer d'un peu d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour son rythme journalier, eh bien, il va essayer d'évacuer ce qui l'empoisonne. Et là, évidemment, ça va être fatigant, pénible, douloureux. Et on a créé une médecine symptomatique qui empêche le corps de souffrir. Donc, on va éteindre le système de défense et le corps ne va pas pouvoir éliminer ses résidus. Mais s'il ne peut pas les éliminer, évidemment, il n'est plus malade, il n'a plus mal puisqu'il n'élimine plus. Mais on va tout enfermer dans ses humeurs. Et plus ces cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles vont marcher à l'envers, demander, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, on va manger de plus en plus mal, évidemment, comme tout est onde, et que notre cerveau est fait de 170 milliards, paraît-il, de dendrites, de petits capteurs émetteurs, bien, au lieu de se relier à l'intelligence universelle, comme les animaux sauvages, qui ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux, ben nous, on se relie aux fréquences basses. Et on ne sait plus ce qu'on a à faire. On fait des affaires.
C'est pas tout à fait pareil. Et on marche à l'envers. On marche exactement, on fait exactement le contraire de ce qu'il faut. On perd la conscience. On n'a plus accès à la conscience universelle. On devient inconscient, on vit dans l'illusion, et on a fait le monde infernal de souffrance, de guerre, de misère dans lequel on vit. Et le point de départ, la cause des causes des causes, comme le disait Hippocrate, elle est le carburant qu'on met dans la machine. Et il est certain que si on traitait notre corps au moins comme notre voiture, parce que quand on arrive au monde, pour faire le voyage de la vie, on prend un véhicule, notre corps, qu'on abandonnera au terminus. Et si on pouvait donner à notre corps le carburant que la nature a prévu pour son système digestif et tel qu'elle l'a prévu, et si on pouvait faire les vidanges et l'entretien qui s'impose, la vie serait un paradis. Alors, quand je t'entends, ça me fait penser à cette phrase biblique qui dit « Vous êtes sortis du jardin d'Éden pour gagner votre pain à la sueur de votre front, vous vivrez l'enfer et le sol ne produira plus que vous. » Exactement, exactement. Et on est devenu... Si je t'entends bien, vu que notre alimentation est essentiellement frugivore et manger des feuilles et des racines, le concept de forêt nourricière nous permettrait à la fois de régénérer la terre, régénérer les sols, régénérer notre organisme. Retrouver le jardin d'Éden. Retrouver le jardin d'Éden. Et là où nos petites cellules vont pouvoir se relier à l'intelligence universelle, comme les animaux sauvages, qui, eux, lorsqu'un danger ou un tsunami, sont informés. Ils se sauvent avant, ils sont protégés. Mais nous, on est très savants. L'intellect a remplacé l'intelligence, l'instinct, cette guidance cosmique. Et on est très savants, mais on fonce dedans. Mais eux sont protégés, ils partent. Alors l'instinct, c'est la plus belle chose que l'homme a besoin de retrouver, sa guidance cosmique. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de cet instinct? Comment arriver à retrouver notre instinct malgré le fait qu'on est régulièrement pollué par le fait qu'on mange cuit, que peut-être on prend des drogues? Eh bien voilà, à nettoyer, il faut retrouver le bon sens. Et là, j'ai écrit un livre qui explique tout ça, « La vie en abondance ». Et je suis ravie parce qu'il a été le coup de cœur de la FNAC et il est vendu énormément. Tant mieux. Et plus il y aura de gens qui comprendront, qui retrouveront le bon sens, logique, simple, mais plus il y aura de gens heureux sur la Terre. Parce que moi, pour ma part, je m'aperçois que le fait de suivre tes conseils, de manger que cru, m'aide beaucoup pour ma fibromyalgie et les problèmes de santé que j'ai. Tu oublies ta fibromyalgie, s'il te plaît. Cette fibromyalgie. On t'a dit que tu avais une fibromyalgie. Évidemment, quand on mange de la viande et des produits laitiers, on va créer beaucoup d'acide urique dans notre corps qui va brûler les minéraux. Et chaque fois que le corps va vouloir expulser cet acide, il va devoir le faire fondre. En fondant, il va chauffer, lui, la température, il va brûler les émergences nerveuses et ça va créer toutes les douleurs possibles. Et en même temps, l'acide va brûler les minéraux. Et toutes les maladies déminéralisées sont le produit de l'excès d'acide urique. Dans la lymphe et dans les humeurs. Dans toutes les humeurs. Et toutes les maladies douloureuses, toutes les colères, toutes les violences sont produites par l'acide urique. Soit il est dans le cerveau, on fait une colère, soit il est dans le sang, on va faire des hémorragies, soit il est ailleurs et on va faire sur la peau et ça va faire des boutons, des démangeaisons, des psoriasis. Selon l'endroit où il va sortir, ça va faire des maladies différentes. Mais la cause est la même. Alors, arrêtez de manger de la viande. Si on était carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper notre proie et mordre dedans. Parce que nous avons des intestins très longs, des reins très faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants. Et l'urine des fauves sent extrêmement fort, comme le pipi de chat. Alors il est bien certain que si on était carnivore, on aurait des urines très chargées d'acide. Mais on n'est pas carnivore et tout cet acide, le corps le stocke dans ses humeurs. Et avec ça, on va faire toutes les maladies douloureuses possibles. C'est tout. Et alors, comment retrouver cet instinct? Parce que j'observe, pour ma part, que dans ma propre santé, que le simple fait de mélanger des choses crues, comme par exemple du sirop d'érable avec des noix... Pardon, le sirop d'érable, c'est pas cru.
vrai le sirop d'érable est cuit. C'est vrai, tu as raison. Mais avec du miel, par exemple. Avec des fruits sucrés. Que ça trompe mes papilles et que quand je mange les noix une par une, je vais peut-être en manger 5 ou 6. Mmh. Et que quand je mets du Exactement. Miel et des choses, Exactement. Ça trompe mes papilles et j'en mange beaucoup. Exactement, plus que parce que là, ton instinct ne fonctionne plus juste. Et l'instinctothérapie fonctionne devant des aliments simples, seuls et naturels. Et donc, à partir du moment où c'est. De revenir à une simplicité la plus grande possible. La cuisson. On ne supprime rien. On ne supprime rien, on remplace, on apporte, on introduit le meilleur. Non, ce que je veux dire, c'est que l'essentiel du matériel d'une cuisine, et même d'une cuisine, pourrait être remplacé par un casse-noix, un truc pour éplucher, et qu'on pourrait arriver à une alimentation très, très bon, simple. On n'en est pas tout à fait là, il y a une période de transition, il ne faut pas rêver. Hein? Alors, pour passer de là où on est, il faut le temps, et il faut des étapes. Donc, si je résume bien, ton approche, elle est très, très simple. Très simple. C'est simple. De manger ce que le constructeur a fait pour nous. Exactement. Vu qu'on a le même moteur que les singes, ce serait bien de mettre le même carburant. Exactement. Des fruits, des feuilles et quelques racines. Ensuite, il y a le fait de se purger, comme font tous les animaux dans la nature. Hein. Exactement. Le chien, le chat, il mange Et chaque fois qu'un animal est blessé ou malade, il se met dans un coin, il ne bouge plus, il ne mange plus. Il laisse toute son énergie disponible pour éliminer les résidus que son corps cherche à éliminer. Il laisse toute son énergie disponible pour que le corps fasse ce qu'il a à faire. Malheureusement, on a été vacciné, on a éteint notre système de défense, et ça c'est le plus gros danger du vaccin. Les mercures et tout ça, j'en ai rien à faire. Simplement, le fait du vaccin, c'est de ordonner au système immunitaire de ne plus éliminer. Donc, on n'est plus malade. Et quand on est malade, c'est que le corps se nettoie et pour retrouver sa santé. Donc, on ne peut plus éliminer, même si on jeûne. Et c'est là où j'ai réintroduit les purges qui vont permettre au corps, momentanément, d'éliminer tout ce qu'il ne peut plus naturellement éliminer. Et donc, tu en parles dans ton livre, tu en parles dans tes formations. Il y a les purges huileuses. Ça va le fatiguer, c'est certain. Mais il faut apprendre. Tout s'apprend. Et la santé vaut la peine qu'on l'apprenne. Alors, il y a des stages Alors, pour ça. Ce que j'observe, c'est que dans ma propre vie, pour pratiquer tes préceptes, c'est que souvent, ça nous amène à un grand vide. On a tellement l'habitude de ces plaisirs gustatifs, de tous ces... Et c'est pas toujours facile de retrouver le même plaisir à manger des noix, des noisettes, des amandes, des fruits frais. Et surtout que... Pour certains, il y a une approche un peu écologique extrémiste qui dit si ton avocat il vient de l'autre bout de la planète, c'est pas fait pour toi. Donc tu devrais manger que ce qu'il y a de local. Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Ben, au départ, l'homme est un animal tropical et tous les fruits qui sont pleins de soleil sont les meilleurs pour lui. Mais étant donné que l'élevage des animaux fait je ne sais combien de fois plus de... De pollution, de gaz à effet de serre, de CO2, que tous les transports réunis, je n'ai aucun scrupule à manger un avocat qui vient du Pérou ou d'ailleurs. Et si tant est qu'on trouvait des énergies vertes pour que... On pourrait très bien y aller. Bon, peut-être pas en bateau à voile, mais pourquoi pas. Bon, l'idéal serait d'aller vivre sous les tropiques, ma foi. Après, ça va être... Et de développer, parce que chez toi, on a fait un jardin forêt où il va y avoir des fruits de la passion, où on peut mettre des bananiers rustiques, des mandariniers, et une multitude de fruits. Je me réjouis de voir. J'ai déjà mangé des avocats en Bretagne, qui poussaient en Bretagne. Je me réjouis de voir ça. Je veux bien cueillir mes avocats. Et donc, à l'heure actuelle, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles un petit peu de comment retrouver cette joie de vivre. Parce que, alors, il est certain que... Tu as parlé tout à l'heure, mais évidemment, qu'elle se retrouve. Et toutes les personnes, tous les consultants que j'ai eus, tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont apporté à leur corps les aliments que la nature a prévus pour lui, ont besoin de manger beaucoup moins, retrouvent une joie de vivre, puisque normalement, ça va leur permettre de changer la longueur d'onde à laquelle ils sont reliés, et ils vont se retrouver alimenté, informé par l'intelligence de la vie, change toi-même et deviens ce que tu veux voir dans le monde.
Ça, c'est ma politique. Mais pour avoir suivi tes stages et tes enseignements, j'ai bien vu que les stagiaires, entre le premier jour où, quand on se prend dans les bras le matin, tu nous invites à nous embrasser, vu que nos bras sont faits pour ça, pour embrasser, et ben, au début, on est un peu coincé, un peu timide, un peu mal à l'aise, et puis au bout de 3, 4 jours, 5 jours, on se décoince et on commence à se prendre plus fort dans les bras, on se regarde dans les yeux. Et on commence à vivre plus heureux, comme des petits-enfants. Rester comme des petits-enfants, le royaume des cieux leur appartient. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais enfant, à la messe du dimanche. Et donc, il y a peut-être un réapprentissage, comme celui de l'alimentation. Mais ça passe par là. Ça passe par là. Il faut réapprendre à vivre simplement, naturellement, comme la nature a prévu qu'on vive, et se rendre compte que la politesse qu'on a inventée, c'est bien joli, mais ça a paralysé les êtres. C'est tout. Alors, être poli, c'est bien, mais être heureux, c'est beaucoup mieux. Et être heureux, ça passe par le fait d'être vrai, d'être authentique. De pouvoir dire ce qu'on a à dire, d'être heureux. Et comme on est bien, on n'a plus de colère, on n'a plus de timidité. Colère et timidité disparaissent, donc on peut parler. Oui, là tu viens de dire un point clé, c'est que quand nos humeurs sont polluées, elles vont être soit polluées par des acides, soit polluées par des colloïdes, des cols. Soit on sera inhibé, colérique ou agressif. Ou timide. On n'ose pas. Où on devient colérique. Et là, on a fait quoi avec les colères et les peurs? On a fait toutes les guerres du monde, toutes les séparations, toutes les ruptures, tous les divorces. C'est pas nécessaire, on n'est pas fait pour ça. Ça, c'est l'enfer. Mais le paradis est à notre portée, simplement, naturellement. On a tout, la nature nous a tout donné, à portée de la main, pour vivre une vie absolument extraordinairement merveilleuse. Et plus j'ai vieilli, et à 90 ans que j'ai, je peux encore travailler du matin au soir, semaine et dimanche, et avec le plus grand bonheur. Parce que le plaisir, c'est bien, mais le bonheur, c'est beaucoup mieux. Alors, on va perdre du plaisir en mangeant pas ce qui ne nous convient pas, mais on va trouver la joie, c'est autre chose. Parce que quand tu manges une bonne mangue, c'est pas du plaisir, c'est un vrai bonheur. Quand tu donnes à ton corps ce qui est fait pour lui, il est heureux, il le sent et il te le dit. Et la joie, elle est là. Parce que quand on est relié à l'intelligence universelle, on sait tout ce que l'on a à faire. On a tous quelque chose de particulier, des prédispositions. Et quand on fait ce qu'on a à faire, on est heureux de le faire. Et on ne travaille plus, on est heureux de faire. Et tout va bien. Alors là, quand tu parles de ces prédispositions, par exemple, je me souviens que tu dis que toi, petite, tu passais ton temps à faire des pansements aux chiens, oui, à tout le monde. Oui. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, je ne comprenais pas pourquoi mes parents avaient planté plein d'arbres d'ornement dans le jardin. Il y avait juste un prunier, quelques framboisiers par-ci, par-là. Et je me souviens d'avoir posé la question à mes parents, mais pourquoi vous n'avez pas mis des arbres fruitiers partout? Mais et oui, papa, évidemment. Pourquoi tu vas travailler? Évidemment. Parce que si on mangeait les choses du jardin, tu n'aurais pas coûtera... besoin d'aller travailler. Exactement. Et j'ai consacré ma vie maintenant, ça fait plus de 20 ans. Mais tu as bien raison, plante des arbres fruitiers partout. Et fait de la terre un jardin d'Éden. Donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour arriver à retrouver cette voie qui nous amène à... Parce que, comme tu le dis, notre intelligence s'est inversée, notre inconscience nous amène à faire plein de maladresses. Et comment on peut retrouver cette voie de la quiétude? Comment on peut retrouver son intuition? Il faut nettoyer nos humeurs et puis arrêter d'empoisonner notre corps. Arrêter de faire mal à la vie. Et à ses lois. Donner à notre corps, si on avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, il n'y aurait jamais eu de vaches folles. Et si les hommes avaient toujours mangé ce que la nature a prévu pour leur système digestif, des fruits, on est cueilleurs, d'abord. Et on a une main pour ça. Et si on était lâché dans la nature, et que l'on n'ait que nos propres moyens pour se nourrir, la première chose que l'on mangerait, est-ce que c'est de courir après un renard et lui mordre dedans, ou est-ce que c'est de cueillir des pommes, des framboises et tout ce qu'on trouvera? À vous de voir, hein. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'alimentation des grands singes. Moi, pour m'intéresser à ce sujet un peu de près depuis pas mal de temps, j'observe qu'ils ne mangent pas que des fruits et des feuilles. Ils mangent aussi des fourmis. Hein, on sait pas si c'est possible qu'il y en ait dedans et après. Et qu'il y ait un petit pourcentage de protéines. Mais c'est temps, pas ça l'important, ils ne peuvent pas les chasser, ils les mangent, mais ce n'est pas important. Mais en même temps, tu dis que cet apport de protéines que
qu'on va chercher, là, les carences en vitamine B12 et tout ça. C'est de l'intelligence inversée qui fait des affaires, qui ne fait plus ce qu'elle a à faire. Et donc, tu as pu l'expérimenter sur ta propre santé. Exactement. Ça fait des années que tu n'as pas mangé un bout de viande, tu n'as pas mangé ça fait 65 ans que je n'ai pas pris un médicament. Et que tu n'as pas mangé une protéine. Et que je vais bien. Que ce soit et à 90 ans, je ne me plains pas. Je trouve que j'aimerais que tout le monde soit à 90 ans comme je suis. Et avec ta présence d'esprit et ben, je suis vivante encore, oui. Et il est certain que mon confrère préféré, le docteur Colucci, est mort à 108 ans et il a exercé en toute lucidité jusqu'à 103 ans. Ça, c'est la moyenne, c'est normal. On devrait tous faire ça. Et alors, comment rassurer les gens par rapport à justement toute cette peur et par rapport au fait que très souvent, quand on va se mettre à remanger cru, bizarrement, il y a des maladies qui vont apparaître. J'ai l'habitude, exactement, puisque la maladie, c'est le nettoyage de l'organisme. Elle n'est là que pour nettoyer l'organisme. Donc, forcément, je dis à tous mes consultants, je vais vous rendre malade pour vous guérir. Et guérir, ça s'écrit G-A-I-R-I-R-E. Retrouver la joie de vivre, la gaieté et le rire, qui sont l'état normal de tous les gens en bonne santé. Et donc la maladie, moi ça me parle beaucoup par rapport à mes recherches, parce que je me suis aperçu que les arbres, quand ils sont malades, les trois quarts du temps, c'est parce qu'on a asphyxié le système racinaire, qu'on met des pesticides, et c'est là que les pestes arrivent, que les insectes parasitaires, ils vont manger toutes les pommes, parce que quand toutes les pommes sont véreuses, c'est qu'il manque les défenses immunitaires, c'est qu'il manque l'équilibre écologique qui est autour. Et que dans l'organisme humain, de ce que je comprends, plus notre corps, de ce que tu enseignes, plus notre corps est pollué d'acides et de mucosité, et plus on va attirer les microbes comme les mouches. Ces microbes vont nous nettoyer, en fait. Exactement. Les microbes et les virus ne sont pas là pour nous détruire, ils sont écologiques. Ils sont là pour se nourrir de tous les résidus toxiques que notre corps essaye d'éliminer. Un petit peu comme si on mettait un steak pourri sur la table et qu'on espère qu'il n'y ait pas de mouches. Alors que si on laissait faire les mouches, en trois jours, elles vont tout manger. Exactement. Elles sortent de la maison. Exactement, exactement. Et ça ne sert à rien de mettre de l'insecticide. Quand tu as des mouches, quand tu as des mouches sur la poubelle, quand la poubelle est propre, il n'y a pas de mouches. Quand elle est sale, il y a des mouches. Alors, on a étudié quelles sont les mouches. La mouche verte, la mouche jaune, la mouche verte, de quoi elles se nourrissent. Moi, j'ai appris à nettoyer la poubelle, il n'y a plus de mouche. Et on a mis des noms sur les mouches, c'est très la mouche bleue ou la très mouche savant. Rose. Et c'est une rosite ou une bleuite. Une rosite, une bleuite. On a étiqueté tous les problèmes. On a étiqueté tous les problèmes de chacun. C'est de la médecine symptomatique qui arrête le symptôme exactement comme si on coupait le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle. Les pompiers sont bien tranquilles, mais ça n'empêche pas la maison de brûler. Et de ce fait, on éteint les symptômes, les maladies d'enfants, qui sont faites pour que l'enfant régénère, en éliminant tout l'héritage empoisonné que ses géniteurs lui ont transmis. Et les maladies d'enfants, si je ne pouvais m'occuper que d'une chose, ça serait de celle-là. Les maladies d'enfants, on a vacciné, médicalisé, des antibiotiques en pagaille. Mais à l'heure actuelle, on enferme tous ces résidus, on éteint le système immunitaire de l'enfant et on va faire des gens en état de chronicité permanente, mal dans leur peau, mal dans leur cœur, mal de tous les côtés. Voilà ce qu'on fait. Si on comprend bien tes 60 années d'expérience et de guérison de sclérose en plaques, de sida, de cancer, en France, on n'a pas de ministère de la Santé, on a un ministère de la maladie préprogrammée. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et vacciner les enfants, 11 vaccins, c'est une catastrophe réelle. Et c'est de l'assassinat. Ils ne sont pas conscients du mal qu'ils vont faire. Mais comme ils ne font plus ce qu'il a à en faire, ils n'ont plus accès à la conscience universelle et qu'ils font des affaires, la seule chose qui les intéresse, c'est de vendre, vendre, vendre. Et c'est le but de tous les laboratoires. Jusqu'à présent, le médecin, les deux grandes clés des vieux médecins, c'était la diète et le repos. Ce que font les animaux. Et les plantes. Ce que tu nous enseignes, c'est que lutter contre la maladie, lutter contre le voisin, lutter contre, c'est peine perdue. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est pire que ça. Aller dans le sens de la lutte vie, et le combat. La lutte et le combat sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes.
Donc, on ne peut pas. On ne lutte pas. On fait ce qu'on a à faire. On introduit le meilleur. On va réparer en introduisant tout ce que la nature a prévu pour donc, nous. Ça ne sert à rien de lutter contre cette injustice surtout de la pharmacopée. Surtout pas. La meilleure chose qu'on puisse ils font ce faire, qu'ils font. C'est ne plus en avoir besoin. Et pour ça, s'occuper de soi. S'ils ont des clients comme moi, pas de problème. Ils vont pas faire des affaires. Hein. Voilà. Et l'important, c'est d'informer un maximum de personnes qui apprennent à redevenir autonomes et à retrouver le bien-être, le bon sens. Le bon sens qui conduit à la santé. Et la santé, c'est la source de tous les bonheurs humains et de la créativité. On est fait pour être co-créateur de l'univers, pas destructeur. Et donc le bon sens, ce serait de manger les fruits de la forêt nourricière qu'on a plantés au soir. De manger au maximum les fruits, c'est l'essence du moteur humain, de se nourrir au maximum, et vous vous rendrez compte qu'en mangeant des fruits, les fruits que vous aimez le plus, parce que là encore, l'instinct parle, et devant un légume ou un fruit, il sait exactement le corps sait exactement de quoi il a besoin. Et on aime particulièrement les fruits et les légumes dont on a le plus besoin. Donc ce n'est pas compliqué de se régaler en mangeant les fruits qu'on aime le plus. Et puis le soir, jus de légumes pour reminéraliser tout ce que l'acide urique laissé par les viandes et les produits laitiers ont déminéralisé. Commencez par un grand verre de jus de légumes, votre repas du soir, et puis des crudités, des graines germées, parce que dans les graines germées, elles sont bien mieux que quand elles sont cuites. Quand elles sont cuites, elles sont mortes, elles ne veulent pas pousser. Mais quand elles germent, elles vont donner des plantes. Et elles sont 20 à 40 fois plus riches en protéines que la viande, 4 fois plus riches en calcium que les produits laitiers, 3 fois plus riches en fer que le foie d'animal, et en enzymes et en énergie. Dans un germe, il y a un platane. Hein? Et là, les graines germées sont un élément de reconstruction de l'organisme. Les jus de légumes pour réparer les minéraux, les graines germées et puis les fruits au maximum. Et puis, les légumes lactofermentés, comme la choucroute crue, les anciens ont su transformer et garder tous les légumes qu'ils avaient au moment de la récolte. Ils les ont fermenter les raves. J'avais des clients sibériens qui mangeaient de la choucroute crue et de la choucroute de rave crue avant tous les repas. Comme ils n'ont pas d'éléments vivants, ils avaient au moins ça. Et cela, ça va réparer la flore intestinale. On a tout à portée de la main, simplement et naturellement. Et par contre, on ne peut pas faire le parallèle avec les fruits. Il faut éviter de faire des lactoferments de fruits, sinon ça fait de l'alcool. Alors, les fruits fermentés font de l'alcool. C'est une très bonne question. Tous les fruits fermentés ont fait de l'alcool. Alors, il est certain qu'on ne mangera pas une grappe de raisin de plus, mais on peut boire un verre, deux verres, trois verres, un litre de vin de plus. Et l'alcool, c'est un poison de l'organisme. Et tous les fruits fermentés, les kombucha, les kéfirs, les cidres, les alcools, ne sont pas du bien. Donc, si on veut être autonome pour nous, notre famille, l'idéal, c'est de faire sécher nos fruits pour l'hiver, de produire, surproduire en été, faire sécher pour l'hiver, et ensuite faire des lactoferments de tous les avec légumes. Avec les légumes, les rares, exactement, on a tout ce qu'on peut. Et oui, tout simplement. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu nous éclaires, pour tout ce que tu nous enseignes, et pour tous ces conseils qui sont à la fois si simples et si joyeux. Merci, Irène. Avec plaisir, je souhaite que le monde entier comprenne qu'il a tout simplement et naturellement tout ce qu'il faut pour vivre heureux dans son cœur, dans sa tête et dans son corps. Ok ? Bienvenue au club. Merci.